Monsieur le modérateur, mais je voudrais plutôt que ce soit les mouvements qui puissent s'applaudir. Amen. Il faut dire qu'il n'y a pas de déclaration à faire. Nous sommes venus simplement pour porter un certain nombre d'informations aux responsables de mouvements, d'associations, de clubs et acteurs de la société civile, membres du club des amis de Gon Coulibaly. Oui, c'est ce club-là qui s'est donné pour mission de faire de l'accueil de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, futur président de la République, de faire donc de son accueil, alors même qu'il est actuellement en France pour des questions de santé de routine, de faire de son accueil donc un moment historique. Et le club des amis de Gon Coulibaly voudrait se présenter comme une famille d'hommes et de femmes responsables. Responsables. Je tiens à peser ce mot. Des hommes et des femmes responsables qui ont voulu mettre ou qui veulent mettre au devant de cette action leur citoyenneté pour recevoir le candidat, certes, du RHDP, mais pour eux, celui qui est le digne successeur d'un grand homme d'État, son Excellence Alassane Ouattara, que je voudrais qu'on puisse applaudir. Depuis le départ pour la France de son Excellence Amadou Gon Coulibaly, nous nous sommes retrouvés et nous avons mis sur pied une organisation. Il y a de cela quelques secondes, vous avez entendu le modérateur parler de cellules. Il vous a parlé de la cellule de santé, de la cellule sécuritaire, de la cellule mobilisation, du comité scientifique. C'est dit que depuis, donc, nous sommes au travail. Selon certaines informations, l'accueil de son Excellence Amadou Gon Coulibaly serait imminent. Mais nous avons pris toutes les dispositions pour ne pas nous faire surprendre. C'est pour cela que depuis hier, 18h, le PAGN, tant attendu, confectionné et produit grâce donc à l'apport de chacun de nous, est enfin disponible. Et donc, de façon officielle. Aminata 24, il faut ouvrir le PAGN pour le présenter à la presse, mais à tous les présidents de mouvements, d'associations, de clubs de la société civile, membres du club des amis d'AGC. Applaudissez encore. Je voudrais demander au président Guindo de venir pour ce matin. On va l'utiliser en qualité de mannequin du club des amis de Gon Coulibaly. Ok. Mais il faut commencer à marcher, Guindo. Mannequin. Il faut bluffer là. Il faut marcher comme le PM. Si ce PAGN, vous avez donc la photo du Premier ministre qui dit merci à tout le peuple ivoirien pour son soutien. Et si ce PAGN, vous avez donc toutes les régions, les chefs-lieux de région qui sont représentés sur ce PAGN, pour dire que c'est toute la Côte d'Ivoire qui attend avec ferveur son Excellence Amadou Gon Coulibaly.
je voudrais dire à tous ces responsables que vous êtes, que pour vous, ce PAN est une obligation. Ce PAN est obligatoire. Il est disponible depuis hier et je voudrais vous dire que le stock que nous, dont nous disposons est en train d'aller allègrement vers la rupture. Et donc, dès ce soir, il est bon que chaque président, ne serait-ce que en commençant par vous, puisse avoir son PAN. Nous en avons commandé d'autres pour pouvoir mettre à la disposition des populations ivoiriennes pour que ce jour-là, ce soit dans les couleurs de ce PAN que tout le pays puisse accueillir son Excellence Amadou Koulibaly. Dans la mesure... Comment nous allons faire l'accueil? Vous pouvez déjà regarder et voir que nous sommes disposés dans cette salle dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus. Ici, nous avons pris le soin de ne même pas atteindre 200 personnes. Mais comme nous savons que nous sommes toujours dans cette période de COVID-19 et qu'il serait difficile pour nous d'être à l'accueil du Premier ministre et de pouvoir respecter donc cette disposition, et parce que nous ne voulons pas nous mettre à dos nos autorités, nous avons trouvé l'ingénieuse idée, et grâce à M. Bémitian Ouattara, de faire un accueil motorisé de son Excellence Alassane Ouattara. De son Excellence Amadou Koulibaly. Qu'est-ce à dire pour ceux qui ont des véhicules, pour ceux qui ont des motos, pour ceux qui ont des chevaux? Nous sommes tous attendus, donc depuis l'aéroport jusqu'à la résidence du Premier ministre Amadou Koulibaly. Dans les véhicules, dans nos voitures, il ne faut pas excéder 3 personnes. Dans les voitures, il ne faut pas excéder 3 personnes. Chacun doit avoir son cache-nez. Chacun doit avoir son cache-nez. Nous avons aussi pris des dispositions pour que tout le long du trajet et même aux alentours de l'aéroport, il y ait donc des points de lavement de mains. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisation, mais c'est ce que je voudrais dire d'ores et déjà pour rassurer nos autorités, pour rassurer même l'ensemble des responsables de mouvement et les populations ivoiriennes de ce que nous sommes des hommes responsables et nous tenons compte des mesures barrières pour mener cette opération. Nous avons saisi nos autorités. Nous attendons donc le retour de nos différents courriers. Mais je voudrais aussi que vous compreniez que le corps des amis d'AGC a plusieurs cordes à son arc. Si on ne peut pas faire l'accueil motorisé, soyez sûrs que nous nous donnerons les moyens pour que dans chaque commune d'Abidjan et dans chaque grande ville de la Côte d'Ivoire, les mouvements que nous sommes ici représentés donc dans ces communes, nous puissions nous trouver un endroit précis avec pas plus de 200 personnes pour que dès qu'atterrisse l'avion de son Excellence Amadou Koulibaly, nous puissions mener une action citoyenne pour que le monde entier sache que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en mouvement pour accueillir donc le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Ça, c'est notre option. Mais pour vous dire simplement qu'avec le club des amis de Koulibaly, nous avons des plans de A jusqu'à Z. Merci. Merci, président. Simplement pour dire que c'est une action de la société civile, une action citoyenne, et c'est nous qui voulons accueillir le Premier ministre. Ce n'est pas lui qui nous demande de l'accueillir. Yes. Les pieds ne vont là que là se trouve le cœur. Amadou Gon, après Alassane Ouattara, est l'Ivoirien qui a pris le cœur de l'ensemble des Ivoiriens. Merci.
au sein du corps des amis de Gon Coulibaly, nous n'avons pas de budget. On pourrait dire que ce n'est pas professionnel, mais c'est pour nous la démonstration du volontariat. C'est pour nous la démonstration de notre envie de recevoir avec nous-mêmes nos moyens Son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Merci. Et c'est pour cela que ceux qui vont venir avec leur véhicule ne devront pas attendre de nous qu'on leur donne du carburant. Ceux qui vont venir à la Setake ne devront pas attendre de nous qu'on leur donne pain avec sardines. Ceux qui vont venir à Setake ne devront pas attendre de nous qu'on leur donne des t-shirts. Le pain là, chacun même doit s'offrir ce pain. Chacun doit prendre sa voiture, sa moto, son cheval. Créer les moyens pour que la voiture soit en bon état pour aller montrer à Son Excellence Amadou Gon Coulibaly que pour nous, le jeu est déjà fait et 2020, au soir du 31 octobre, le prochain président de la République s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Merci. Ici, dans cette salle, notre devoir à nous, c'est en retournant dans nos bases, dans nos différents mouvements, dans nos différentes organisations, de réussir la mobilisation de 5000 voitures, motos et chevaux. Nous sommes 110 mouvements, membres du club des amis d'AGC, divisés 5000 par les 110, chacun de nous doit faire son effort pour que nous puissions réussir cela. Mais je l'ai dit, nous restons toujours dans l'attente de l'autorisation de nos autorités pour donc cet accueil motorisé. Je ne voudrais pas le croire, je ne voudrais pas y penser, mais au cas où nous n'avions pas l'accord de nos autorités, je vous le dis, nous sommes des citoyens de ce pays, nous avons un plan qui va de A jusqu'à Z. Et ces autres plans vous seront communiqués au cours d'une rencontre ou par les canaux de communication que tous vous connaissez ici. Ce sont donc là les quelques informations que je voulais mettre donc à la disposition de la presse, bien sûr avec l'aval et la caution de tous ces responsables de mouvement que vous êtes, et terminer par inviter l'ensemble donc des responsables et des animateurs du club des amis de Gon Coulibaly de travailler à ce que cet accueil soit historique, soit exemplaire dans le respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, mais que cela aussi lance pour nous, que cela aussi soit pour nous le lancement de la campagne pour la victoire de Son Excellence Amadou Gon Coulibaly le 31 octobre 2023. Je vous remercie. Merci.